Je suis camerounais, je vis à Milan. Depuis un certain moment, je vois certains trucs à ce qui concerne le prophète. Bon, moi, en tant que son fidèle, son fils, je ne prenais pas ça au sérieux parce que ça ne changeait pas mon avis. Parce que je l'ai déjà abordé. Dès que tu l'abordes, même si tu comprends n'importe quoi, si je ne l'avais pas abordé par le passé, oui. C'est l'une des raisons que j'envoie cette message, parce que j'ai compris que c'est une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision va empêcher d'autres. Parce que si moi je ne l'avais pas connu par le passé, et que je l'ai connu à travers la télévision, moi ça allait vraiment me décourager. Et c'est l'une des raisons que ça me fait vraiment mal, parce que vous n'êtes pas en train de faire mal au prophète, vous êtes en train de faire mal à tous ceux qui pouvaient protéger, qui pouvaient aider. Alors une chaîne de télévision, c'est quelque chose qui peut même changer les élections. Les élections présidentielles. C'est pour cela qu'au moment des élections, que ce soit aux États-Unis, la publicité, ça coûte à la télévision. Ça coûte des millions et des millions. Donc c'est à cause de cette télévision que j'ai décidé de dire que je remets, je n'ai pas envie de parler de ma vie privée, pour ce que le prophète a changé. Pour moi, ce qu'il m'a fait. Mais je demande seulement que, en entrant seulement dans la salle, où il se trouve, vous avez votre bénédiction. Le message que je voulais passer, qui est très très important. Ceux qui pensaient le retrouver, le prophète, qui l'ont connu à travers ce message, viens vers lui, l'aborde et le côtoie, voit ce qui. Vous voyez son cœur et voyez son travail. Vous avez cru le décrit, mais vous ne l'avez pas décrit. Il a ceux qui vont le soutenir. Et le soutien n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est le cœur avec le Seigneur. Quand tu fais ce qui est bien, je ne sais pas ce qui m'a poussé de venir faire, c'est le Seigneur qui a demandé que je vienne le faire. Alors que d'autres qui pensent, le connaissent, qui l'ont connu, je dis bien, à travers ces vidéos, cherchent de l'aborder partout où il se trouve, partout où il se trouvera. Que ça sort n'importe où, à Divo, en Europe, n'importe où. Vous essayez juste d'entrer dans la salle. Vous le voyez, même le voir, vous avez la télévision. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de cœur. L'orphelinat qu'il est en train de faire là, donner à manger aux gens, le nourrir, ce n'est pas une petite affaire. Moi, je le soutiens de tout cœur. De tout cœur, de tout cœur. Papa, ce que je voulais encore te dire, ne laisse pas ces gens-là tomber. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Tu as dit que tu vas le suivre par l'ONU, par porter plainte. Je demande de le faire. Parce que si c'est l'unique manière, je vous encourage de le faire. Il faut le faire avec du cœur. Nous, on va même prier. Prier pour ça. Ok, papa. Je vous donne très bon séjour aux États-Unis. Très bon programme. Et que le Seigneur soit avec vous. Et que nous, on ne manquera pas de vous soutenir moralement, même intérieurement, au fond de nous. Ok. Cette chaîne de télévision, essayez. Je n'ai même pas besoin de vous critiquer, mais la justice va parler. Ok.